Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler réussite. Et quand je dis réussite, je parle de la réussite dans tous les domaines. Pour la plupart d'entre nous, dans la réussite de l'art martial, c'est généralement lorsque l'on reçoit une ceinture. On ne va pas se cacher que ça fait plaisir, bien évidemment. Elle est généralement le fruit d'un long travail, des heures passées, voire des années, pour le Saint Graal, la ceinture noire. Mais si la ceinture noire n'est que le début de l'entrée dans la pratique martiale, nombreux seront les années à encore passer sur les tatamis pour atteindre d'autres objectifs. Et si on pose la question à la plupart des gens concernant la réussite, la plupart vous répondront que l'on réussit quand on gagne de l'argent. Effectivement, ça peut être un aspect de la réussite, tout comme cette ceinture dans l'art martial. Mais les conceptions de la réussite sont nombreuses et elles ne s'arrêtent pas uniquement à l'acquisition d'une ceinture ou à l'acquisition d'une fortune. Oui, il est vrai que la réussite peut être financière, mais elle peut être aussi sociale, physique, intellectuelle et spirituelle. Et si nous avons cette chance de pouvoir nous épanouir dans ces cinq domaines, alors la réussite peut être totale. La réalisation d'un homme ne se fait pas uniquement dans l'acquisition d'une ceinture ou dans l'acquisition d'une fortune. Et l'art martial nous le montre. Pour atteindre cette ceinture, pour l'acquisition de cette ceinture, il nous faut traverser différentes étapes et elles ne sont pas que physiques. Nous apprenons à partager avec les autres, à les prendre en considération. Dans certaines écoles, l'aspect spirituel y est aussi enseigné grâce à la méditation. Le côté intellectuel également, puisqu'à travers certaines lectures, nous allons apprendre à élever notre conscience et notre intelligence. Et puis quelquefois financièrement également, car nous allons pouvoir passer des diplômes pour pouvoir enseigner, pouvoir diffuser à un plus large public, créer des t-shirts, créer des choses qui vont nous permettre d'enrichir un petit peu les caisses. Il est donc dommage de s'arrêter simplement à un seul aspect de ce que la réussite peut nous permettre d'obtenir. Et encore une fois, l'art martial y répond. Si nous arrivons vraiment à décoder ce qu'il y a derrière les enseignements des arts martiaux, il n'y a pas uniquement un enseignement de self-défense ou du bien-être du corps, mais tout un tas d'enseignements qui nous permettent d'avancer sur un long chemin et qui nous permettent de nous réaliser au maximum. Et ce, je le répète, financièrement, mais également socialement, physiquement, intellectuellement et spirituellement. Ne restons donc pas focalisés sur cet aspect financier quand on parle de réussite, tout comme la ceinture quand on parle art martial. Ce n'est que de l'énergie pour cet argent qui nous permet de créer des choses et cette ceinture qui nous permet d'arriver sur d'autres rivages et vers d'autres notions tout aussi importantes, voire beaucoup plus importantes. Donc je vous demanderai de partager comme d'habitude, de mettre des pouces bleus, d'activer la cloche. Les pouces bleus, c'est pas uniquement pour faire plaisir, même si ça fait plaisir, mais comme vous le savez, c'est de permettre une plus large diffusion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zai tian! Yeah.